Salut tout le monde, c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour continuer notre aventure Farming Simulator 2022. J'ai pas pu enregistrer avant, j'ai été un petit peu malade, je pense que ça s'entend encore, un petit peu le nez, un petit peu la gorge. Bref, on est quand même là et on poursuit notre aventure. Aujourd'hui, le but c'est de préparer nos champs, nos prochaines récoltes, avec le peu d'argent qu'on a. On va voir comment on peut se débrouiller. C'est parti. Alors, nos champs ont été labourés, ils ont été, les pierres ont été enlevées. On a pas mal de pierres de ce côté-là. Hop, on a tout ça de pierres. Donc, on va aller voir tout de suite qu'on peut en faire. Est-ce qu'on peut se débarrasser de nos pierres ou pas? J'ai pas l'impression... Si, pierre, au broyeur de débris. Ah, mais ça, c'est très bien. Ça c'est très bien. Alors sur la map, ça se situe là-bas. Ok. Alors je vais déjà prendre hop, le cultivateur. On va l'attacher. Voilà. Touche A pour accrocher. Vous êtes sur PC. Et bien entendu, toujours la touche A pour accrocher un équipement. La touche P si vous voulez accéder au magasin. Et tout va bien. Allez, bon, on n'a pas le tracteur le plus rapide de la Terre, on le sait. Mais bah, faut faire avec. On n'a pas le choix pour le moment. On est en difficile, je vous le rappelle. Partir de rien, j'ai même pas de maison. Je peux même pas me reposer. Je peux même pas passer le temps du coup. C'est compliqué. J'ai jamais fait un départ aussi, aussi difficile en fait. J'ai jamais parti dans ce mode de jeu, partir de rien. Mais bon, bah écoutez, c'est le petit challenge. Et ça fait plaisir. Ça va donner un petit peu de piment, un petit peu de piquant à cette série. Et c'est plutôt cool. En tout cas, moi ça me hype et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas, les petits pouces bleus si c'est pas encore fait. Pensez à vous abonner si vous l'avez pas fait. Activez la petite cloche des notifications. Comme ça, dès qu'un prochain épisode sortira, et vous serez informé. Ou dès qu'il y aura une nouvelle vidéo ou un live sur la chaîne, parce qu'il y a aussi des lives de temps en temps, plutôt en après-midi, pour des jeux un petit peu divers et variés. Et on passe toujours un très bon moment, très agréable, donc n'hésitez pas. Vous avez aussi en description de la vidéo tout ce qu'il faut pour me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le Discord, et tous les liens pour soutenir la chaîne. Hop, je laisse le cultivateur ici. Faut pas oublier qu'on a encore... qu'est-ce qu'on a? C'est du colza, je crois. On a notre colza qu'on n'a pas vendu. C'est pas le meilleur moment pour le vendre. Je suis pas sûr de pouvoir attendre. Alors après, je peux faire passer le temps. Ça aussi. Et en attendant, on va essayer de s'occuper quand même. Alors, je voudrais bien commencer à mettre des poules. Pour avoir des œufs. Ça peut rapporter un petit peu, je suis preneur. Je ne sais pas combien coûte le poulailler. Donc là, je vais me rendre jusqu'au marchand. Non, hop, tu reviens ici. Ok. Je pensais que je pouvais la calibrer un petit peu plus au centre, c'est pas grave. Jusqu'au site pour vendre nos cailloux. Et puis, on se retrouve là-bas et on regardera un peu pour le prix des poules. Alors, j'ai décalé la caméra en espérant que, bah, du coup, vous puissiez voir un petit peu plus de choses. Ça cache un petit peu moins d'informations. On tourne ici, le petit marqueur. C'est toujours bien d'avoir ce petit un beacon. Je ne sais plus comment on dit en français. Et ce trait lumineux, du coup, qui permet de localiser assez facilement si on cherche sur la map. On a ce grand rayon lumineux et c'est plutôt cool. Hop. Alors, comment ça se passe? Ah, bah voilà, commencer le déchargement. Oh, c'est pas mal. J'aime bien comme c'est fait. On appuie sur la bonne touche. Et on s'est fait 135 euros.
C'est pas évident. Et un petit succès déverrouillé. Pierre qui roule. La masse pas mousse. Le succès, c'est juste Pierre qui roule. Bon, bah écoutez, on va rapporter ça. Alors, je sais plus si c'est loué ou pas. Objet loué. Ouais, le ramasseur à pierre. Ok. Bah, peut-être qu'on peut le rendre. Ok. De retour au magasin, je vais récupérer hop, la planteuse. Par contre, on va aller voir tout de suite ce qu'on peut planter. Alors, on regarde, on est au mois d'août. Et au mois d'août, qu'est-ce qu'on peut planter? Du colza, de l'herbe ou du radis. C'est assez limité. Mon tournesol, je pourrais le récupérer au mois d'octobre seulement. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ok. Ce qui m'arrange pas. Ce qui m'arrange pas parce que du coup, ça, ça me coûte combien à la journée? On n'a pas le prix. On n'a pas le prix. Et ça, la location. On n'a même pas le prix à la location. Moins de 1000 euros. Ok. Ça m'arrange pas. Combien elle me coûte à la location, celle-là? 3000. Bon. Faut que je pense à les rendre avant la fin de la journée. De toute façon, je vais pas en avoir besoin. Un mois, c'est 3 jours dans le jeu. Donc, de toute façon, 3, ouais, il va me falloir au moins 6 jours pour pouvoir passer au mois d'octobre. Ce qui veut dire que mon tournesol, je peux pas le ramasser tout de suite. Je vais pas payer 6 jours de location de la moissonneuse et pas pouvoir m'en servir. Donc, il va falloir que je les rende. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais jusqu'à la maison, on va lancer, et zut, je suis parti avec le cultivateur, et j'ai oublié d'acheter les graines, parce que si on n'a pas de graines, on cultive pas, on plante pas. Donc on a dit colza, on va aller vérifier quand même, parce que j'ai un doute, comme j'ai regardé pour le tournesol et le coup de la moissonneuse avant, on va acheter... Hop, bah la semence, 1000 litres. Et ça coûte combien? Wow, 900. Je sais pas du tout si ça va être suffisant ou pas. J'ai pas de lève-palette. S'il faut, je vendrai mon tracteur, hein, et j'en loue rien. Et... Ok. On remplit... On a mis combien? 600 litres. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Et c'est parti. Bon, en fait, je suis en train de me demander si du coup le ramasse-pierre... Oh, il a pas tout ramassé. Attendez, je suis en train de passer le cultivateur, il me ramène des pierres encore. Bah non. Bah non. Du coup... Ils sont travaillés déjà. Bah attendez, je vais pas... Non. J'ai pas envie de ravoir des pierres. Donc, le ramasseur à pierre cultive le champ. Ça fait office de culti. Ça me semble un petit peu bizarre. On va aller vérifier dans le magasin. Voir ce qu'ils nous en disent. Ramasseuse à pierre. Ça sert à enlever les pierres d'un champ. Ok, très bien. Et c'est tout. Écoutez, on va essayer de planter. Directement. Et si c'est le cas, bah à ce moment-là, je revendrai le culti. Et voilà.
On gagnera un petit peu d'argent comme ça. Donc je suis assez étonné. Bon, du coup, les quelques cailloux qui sont là, on va les laisser. Et je vais prendre l'ouvrier pour ça. Alors oui, je sais, l'ouvrier, ça coûte. Et vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de trouver sur cette carte... Alors, pour ceux qui ont connu Farming Simulator 17 et avant, on avait une carte qui s'appelait Goldcrest Valley et on pouvait aller chercher des... Oui, elle galère un petit peu à cause des cailloux. Ok. On pouvait trouver des petits lingots d'or qui rapportaient de l'or, justement, de l'argent. Et apparemment, on a plein de petits items comme ça à récupérer sur la carte. Et écoutez, moi, je suis d'avis. Alors, par contre, je suis en train de me demander si le fait de planter les graines va faire ressortir des cailloux ou pas. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Pour le moment, je n'ai pas l'impression. Allez. Donc, on a des items. Il faut chercher... Ils peuvent rapporter de l'argent. Donc le but, c'est de se promener, de regarder un petit peu les items. Donc dans le, on avait fait le tour hein, déjà de la maison. On n'avait rien vu de spécial. On m'a dit qu'on pouvait en avoir potentiellement par ici. Et sur le toit. On ne peut pas y aller sur le toit. On ne peut pas y aller. Et je suis coincé. Ah, vache. Ah, regardez, il y a un petit mouton là-haut. Je sais pas si c'est ça. Mais le problème, c'est que... On peut pas y accéder. Peut-être en passant comme ça, comme ça. Ah! Elle est trop vite. Hop! Ok. Est-ce qu'on peut le ramasser? Est-ce que je peux me baisser ou pas? Non. Regardez, on a un petit mouton là. Ah, peut-être qu'il faut ramener un tracteur et puis se mettre sur le tracteur pour arriver devant. Ok. Bon. Est-ce qu'on voit autre chose de ce côté-là? Alors, on peut voir ici. Vous venez là, hop, dans l'onglet, sur cet onglet-là, sur le petit panneau de statistiques, et on voit. Objet à collectionner, récolter 0 sur 100. Apparemment, on devrait gagner à peu près 1000 euros par objet, jusqu'à bah, du coup 100 000 euros. Et ça, ça pourrait être un sacré coup de pouce. Alors, regardez, ici, on est à l'usine biogaz. Sur la map, hop, on est vraiment sur le côté, ici. Vous voyez ces trois petits cercles. On y est. Et regardez là. Hop! Je ne sais pas comment le ramasser. S'il vous plaît. Je veux pouvoir le prendre. Ah, c'est fâcheux. Oh, j'ai réussi. Je ne sais pas comment. J'ai appuyé sur toutes les touches. Je ne sais pas comment je l'ai fait. Bon, bah écoutez. Hop, 1000. Et déjà ça en plus, on va essayer d'en trouver d'autres. Ok, le premier champ est planté en colza et il nous en reste pas mal, donc ça c'est plutôt cool. Malheureusement, j'aurai pas de quoi, en tout cas dans l'immédiat, augmenter le rendement. Et ça, ça me désole un petit peu. Hop. Allez, c'est parti. Deuxième champ. C'est bon, le mouton, j'ai pu le récupérer. On se fait un petit peu d'argent, là, c'est cool. Alors, là, je suis chez le voisin. Vu qu'il vient souvent sur mon terrain, je me suis dit, bah tiens, je vais aller enquêter chez lui. Non. J'ai pas vu de petit jouet en bois. Je peux grimper à l'échelle. Yes. D'autres échelles. Vous en faites pas, monsieur le voisin, je ne fais que passer. Alors, là, je vois rien. Ah, regardez là-haut, dans la cheminée.
Juste, j'étais pas du bon côté. Passer ou pas? Oh, j'ai failli tomber. Hop, semoir. On a trouvé deux semoirs, du coup. Une dizaine de chaque. Là, on a fait ces bâtiments. J'ai pas fait celui-là. J'avais bien kiffé à Goldcrest Valley. Enfin, il fallait que tu te mettes près des bâtiments, que tu lèves la chargeuse, que tu sautes sur la chargeuse avec un godet, etc. pour accéder à un toit. C'était franchement pas mal. J'avais bien aimé. Bon, alors, le temps qu'elle fasse ça. Animaux. Non, ça va pas être ici. Alors, construction, animaux. Vache 75. Poule 6000. Ben voilà, on va mettre un petit enclos à poule. Alors, où est-ce qu'on peut le mettre? On pourrait le mettre par là. Ici, je voudrais bien mettre ma maison. Après, on peut retravailler tout ça. Hein. Ou alors, je vire ce bâtiment. Non, mais je pense qu'on peut mettre les poules par là. Alors, comment on le fait tourner? Comme ça. Hop, autant le mettre dans le bon sens. L'objet chevauche un autre. Ah. Oui, au final, j'ai de l'espace ici. Je pourrais mettre plusieurs enclos. On peut le mettre là, l'ampoule à clos. L'ampoule à clos. L'enclos à poule. Je l'aurais bien mis ici, en fait. Là, je voulais mettre ma maison, donc ça me... voilà. Ça me dérange un peu. Bon, écoutez, on sait qu'on peut mettre des poules et les abeilles. On n'a pas regardé les abeilles. C'est combien? Oh, c'est pas si cher. Une ruche. 4400. Oui, c'est bon, vous pouvez voir. 12 000 quand même hein, pour celle-là. 10 ruches. Là, c'est possible. Ah, c'est pénible. Qu'est-ce qu'on a là qui gêne? C'est les arbres? C'est les arbres, peut-être. Oh, regardez. Une petite biche. Parce qu'après, même pour mettre ma maison... Alors, décoration, non, bâtiment. Corps de ferme, c'est quand même 150 000. Vous voyez, j'aurais bien mis quelque part par là. Alors après, il faut aussi sacrifier un champ. Sacrifier un champ, ça m'en fait déjà deux. Je sacrifie un champ et je mets des animaux. C'est aussi possible. Surtout que ça, je peux pas... Ah, j'ai pu enlever la décoration. Ça, c'est cool. Ça, je peux pas l'enlever. Et si je coupais cet arbre? Parce qu'à terme, ce que je voudrais mettre en abri, c'est lequel? C'est celui-ci. Il fait 340 000 quand même. Et vous voyez, j'aurais bien un petit abri comme ça, ici. Et là, ce serait cool. Quitte à l'avancer un petit peu comme ça, mais ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Je sais, j'ai pas assez d'argent. Et ici, je voudrais mettre un silo. Alors, au niveau des silos, après, on peut mettre des petits. On peut mettre une grange. On peut mettre la grange à la place de celle-là, par exemple. Et un petit silo derrière. Ça fait combien? 500 000, 240, 250 000 litres, 800 000 litres. Il me semble qu'on en avait des grands silos. Voilà. 6 millions. 16 millions. C'est le multilagger. Il est génial. Et voilà, ça prend la taille d'un champ. Ça, c'est pas pour tout de suite, surtout vu le prix que ça coûte. Qu'est-ce qu'on a pour le fumier? Pour le réservoir de fumier liquide. On a les bunkers quand même qui sont pas mal. Bon, écoutez. Est-ce qu'on vend... On peut vendre le cultivateur, je pense. Pour 8000. Presque 9000. Je vais essayer de l'emmener jusqu'au...
jusqu'au magasin, voir si je peux en tirer un petit peu plus. Après, 150 000, de toute façon, je suis pas là de... Ouais, je vais pas pouvoir dans tous les cas. Donc on va installer nos poules. Installer des poules et je vais les installer là sur ce terrain-là. Que ça, c'est quoi? Ouais, c'est gros quand même, 79 000. Après, je peux le poser là et je pourrais le revendre plus tard. Peu importe. Je peux mettre combien? 30 poules. Est-ce que je peux en mettre 2? Non, je vais déjà en mettre un. Vous savez quoi? Ok, l'objet est placé et on va mettre des abeilles. Je vais mettre ça, par contre 12 000. Ça va coûter cher. Il faudrait limite que les abeilles, je les mette par là. Alors pourquoi les mettre ici? Parce que les abeilles augmentent le rendement. Hop, le petit trigger pour récupérer le miel, très important. Et il me reste 9 000 balles. Voilà. du coup, faut qu'on achète des poules. Waouh, on a des poules qui sont toutes neuves. Des bébés poules à 5 euros. Et si elles ont 6 mois, elles sont à 50 euros. Les poules produisent des œufs. Et là aussi. Et forcément, on va prendre celles qui sont à 5 euros. Pour en mettre 30 dans mon enclos. Et je vais en prendre une vingtaine. Et puis on va acheter un coq. Ok. Oh! Alors par contre, ça c'est cool, c'est que avant on choisissait la couleur. Par exemple, je veux des poules blanches, je veux des poules noires, je veux des poules marron. Et maintenant, on a tout un panel et c'est super classe. Regardez même celle-là. Attendez, je peux aller dedans? Regardez celle-là. Elle est super belle en moucheté comme ça. Ah ouais, je kiffe. Ah, elles sont super belles. Regardez la modélisation. Ah, c'est cool. Et le coq. Fais ton travail. Va ensemencer les dames. Pardon. Ça m'a échappé. Il va leur falloir du blé. Ouais. Bon, le cultivateur. Hop, sélectionné. Bon, du coup, en attendant. Peut-être que je peux revendre tout ça parce que je suis pas, je vais pas replanter avant quelques mois. Je pense que je vais revendre le cultivateur, je vais revendre, j'aurais dû y louer de base en fait. J'ai fait cette petite connerie. Pas grave non plus. Regardez, on va aller voir les abeilles aussi. Normalement, on les voit passer. Vous voyez? C'est rapide, hein? C'est rapide. Et c'est super cool. Et du coup, on aura notre miel ici. J'étais en train de me dire s'il faut, je couperais quelques arbres aussi sur la propriété. Histoire de. Là, je vais juste déposer. C'est vrai que d'avoir remboursé tout le prêt. Ouh là 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 là. Ça fait mal. Mais bon, c'est comme ça. Hop, voilà. On va garder nos semences ici. Bon, alors après, pour se faire de l'argent. On peut aussi faire des missions. Labourage. Le champ 57. Alors, le champ 57, c'est lequel? Parce que j'ai un tracteur et j'ai une charrue. Je peux labourer. 59. 58. Il est où le 57? 53, 54, 57. Ah, il est énorme! J'en ai pour 3 jours. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pulvérisation. Il faut que j'achète un pulvérisateur. Et épandage d'engrais. Je vais prendre la mission de labourage. Ça va être long. Mais écoutez, il faut bien qu'on s'occupe. Ouais, t'as plus d'endroit où tu vas poser tes trucs pour les revendre directement. On va faire ça. On est remonté à combien? 42 000. 42 000. Et du coup... Ici, on a quoi? Le Val 3... Ah, 54 000 quand même. 190 chevaux. C'est pas mal.
Et quand t'as pas de chargeuse avant, et bah tu te débrouilles par les moyens du bord pour ramener ce qu'il faut à la ferme. Je sais pas comment, mais j'ai réussi à bloquer le tracteur sur la palette d'engrais. De semences en plus, c'est pas vrai. Ah bah celle-là, elle est belle. Et j'ai pas le mode avec la super force encore, donc je peux pas le bouger comme je veux. Ah, peut-être qu'on va réussir à bouger. Non pas une, mais deux fois. Non mais sérieux. Bon, on finit par y arriver. Bon, on finit par y arriver. Récupère la charrue et bah on se rend au champ 53. Et j'ai failli oublier. Comment dire? Il faut qu'on nourrisse nos poules. Nos petites poupoules. Ça m'agace un petit peu. Il me faut un tracteur. Il me faut un autre tracteur parce que celui-ci. Pas sûr de pouvoir l'adapter. Je vais vérifier, mais je crois pas que je puisse mettre de. Non. Alors je regarde pour un autre tracteur. Si on le loue, ça me coûte 3000. Avec la chargeuse. Je vais le prendre. La chargeuse. Je pense qu'on s'en fout un petit peu, non? Ok. Ça, je peux pas le louer, je suis obligé d'acheter. L'avantage avec les abeilles, c'est qu'elles vont butiner dans les champs avoisinants, sur les arbres, etc. Donc, on n'a pas besoin de s'en occuper, on pose et c'est bon. Avec la chargeuse. Il y a les outils ou pas? Non, il n'y a pas les outils. Il me faut quand même le lève-palette. Ok. Je vais finir par vendre ce tracteur. On va le vendre, on va garder un petit peu d'argent. Voilà, ça fait flic, mais c'est comme ça. Si on veut pouvoir investir un petit peu. Hop. Alors, on va aller voir l'intérieur de ce petit massé. Il est pas mal. Il est pas mal. Ça va me coûter 3000 à la journée, mais bon, bah écoutez. Tant qu'il fait le taf. Moi, oh, ça me va. C'est fâcheux. Non, c'est bon. Je pensais qu'il serait plus lourd que ça. Le tracteur, il se retrouve le cul en l'air. Allez, ça passe. Ah, il va déjà un petit peu plus vite que le bureur. Beaucoup plus vite. On a peut-être gagné au change. Même si je ne l'ai pas acheté. Et il est plutôt cool. Regardez la grille devant. J'adore les détails. Ouais, la batterie et tout. Franchement, c'est super cool. Il est beau. Hein, il est très beau. Ah, le détail est vraiment sympa. Hop, on arrive vers les poupoules. Ça, oh, ça distribue automatiquement, j'ai rien eu besoin de faire. Il va mettre les 1000 litres. Ah oui, non, quand même, 750, waouh. Et j'ai presque envie de le poser là. Hop, on va le mettre par là. Le trigger est sur le côté, par contre j'ai pas de véhicule.
Il faudrait peut-être qu'un jour j'achète. Alors le lève-palette, on va le laisser dans le coin. Il faudrait que j'achète, comment on appelle ça? Une voiture? Hop! Ok. On va aller passer la charrue. Ah oui. Ah oui, il est très très grand. On est pour 3 jours. Ça tombe bien, ça fera avancer les cultures. Bon, bah écoutez, comment on l'inverse de côté? Comme ça. C'est parti. Bah alors là. Dans quoi je me suis embarqué? Mais 8000 euros. C'est ce qu'il faut voir à la clé. Alors oui, je fais bosser le l'ouvrier. Je vais voir si qui me coûte. C'est impressionnant. Bon, j'ai repris la main parce que bah, l'ouvrier, mine de rien, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc bon, on avance tranquillement. Hop, c'est bien moi. C'est vrai que avec ce véhicule, long. C'est très long. Mais on pense aux 8000 qu'on va se faire à la sortie. Et ça, c'est plaisant. Donc je vais finir cette mission. Et ensuite, on va voir si on peut faire d'autres installations sur notre terrain. En plus des poules et des abeilles qui ont déjà commencé à produire un petit peu de miel. Hop. C'est reparti. On va essayer de rouler droit quand même. Petite vue intérieure, histoire de se rendre compte un petit peu de ce que ça donne. On voit quand même. Il y avait pas mal d'herbes, j'ai l'impression, sur ce terrain. Je crois qu'on la voit pas tout de suite. Par contre, on sent que les cailloux, ça nous. Ça nous secoue un petit peu quand même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de mouvement qu'avant. En tout cas, on les ressent plus. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on est un petit peu plus secoué. Alors, par contre, regardez, au niveau des salissures, il va falloir qu'on achète un karcher parce que vraiment, c'est vraiment sale. Et regardez sur la porte, on a différents niveaux de salissures. Et ça, c'est plutôt cool. Regardez en haut de la vitre aussi. Regardez là. Les salissures sont vraiment super bien faites. La luminosité aussi. Et on voit que la texture, bah voilà, elle change. Ah oh oui, je regarde pas où je vais. Je trouve que c'est quand même super bien fait. Regardez sur le garde-boue. Même à l'arrière, même sur la machine. Hein. On a une vraie texture de salissure. Je trouve qu'ils l'ont vraiment amélioré. Après, ça vient peut-être de moi. Mais je trouve que par rapport à avant, elle était déjà pas mal dans le 19, hein, mais elle a quand même été upgrade. Si regardez, il y a quand même pas mal de mauvaises herbes hein, dessous qui n'ont pas été traitées. Hein. Alors par contre, elle a laissé son champ se faner sans le ramasser. Bon, c'est pas grave, hein, nous du coup on vient faire le labour, même si c'est un petit peu long parce que voilà, notre machine elle est pas très large. Quand même plutôt pas mal. Bon alors pourquoi est-ce qu'on laboure un champ? Ça permet déjà de retourner la terre, de l'ameublir aussi et de faire remonter des nutriments qui vont être nécessaires aux prochaines récoltes. Voilà, c'est la petite partie courte technique, rapide, bien entendu. On peut aller plus loin, comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas agriculteur, donc j'ai pas tous les termes techniques, toute la technicité en rapport à ce labour. Mais de base, voilà pourquoi. On laboure. Et sur les nouveaux champs, bah, ça permet de reminéraliser tout simplement la terre. On va faire différents plans de vue.
histoire de se rendre compte un petit peu mieux de ce que ça donne. C'est vrai que moi, en général, j'aime bien la petite caméra de dessus. Bah, vous l'avez vu sur Farming 19, hein, j'aime bien voir de dessus comme ça, parce que tout simplement, au moins, je sais où je vais. Si je suis comme ça, forcément, je sais pas où je vais, et je fais des écarts. Et après, ça nous donne cette ligne qui est pas droite, comme ça. Bon, on essaye de rattraper le coup. Et d'aller tout droit. Allez, on est presque à la fin. Hop. Je vais mettre la conduite hop, automatique. On est à combien? 99%. On va monter à 66 000 euros à peu près. Bon, on aura perdu 2000 euros dans l'histoire. Ça y est, contrat terminé. Écoutez, je vais pas m'embêter à finir. On va récupérer hop, notre argent. Est-ce qu'on a autre chose à faire? De l'engrais ou de la pulvée? Pour le moment, j'ai pas ce qu'il faut. Par contre, je peux faire le labourage pour 500 balles. Vous allez me dire, 500 balles, c'est toujours 500 balles. C'est un demi-paquet, mais bon. Succès déverrouillé. Aidez-moi à vous aider. Bah, ça, c'est cool. On va se barrer d'ici. Et le champ 5, il est tout en haut de la carte. Je sais pas si on peut voir en grand. Est-ce que vous voyez tout en haut, vraiment ça clignote, vraiment dans l'angle. Et nous, on est à peu près au milieu de la carte. Ah non, bon, ça c'est ma maison, je suis encore plus, plus à droite. Alors, on va rattraper la rue principale. Et on va aller tout au bout. Hop, on se croise. Très bien. C'est un petit champ, donc on va en profiter. Ça fera 500 euros de plus. Pendant qu'on avance, est-ce qu'on peut regarder sur le menu construction combien coûte une serre? $3000, $5000 ou $10000. Oh, mais ça c'est bien. Ben, on va mettre des serres. On va aller mettre des serres. Encore un petit peu de chemin. 10 000 la grande. Je pensais pas que c'était aussi peu cher. Vous savez quoi? J'ai presque envie. Presque. De sacrifier mon terrain où il y a le tournesol. Parce qu'il va falloir que j'attende un moment avant que ça luise. Bon. Et deux champs de colza aussi. Mais. On n'aurait pas l'utilité tout de suite, à part pour faire de l'argent. On va regarder quelle taille ça prend, voir si on peut les mettre sur le terrain ou pas. S'il faut, bah je vire la grange du milieu. Et on récupère l'espace pour mettre... De toute façon, il y a un moment où il faudra qu'on s'agrandisse. Il faudra que j'achète les autres parcelles à côté pour implanter d'autres choses. Il y a le champ 40. On va aller voir le champ 40 après. Et potentiellement, on peut mettre un deuxième lot de ruches. Ok, c'est ici. J'ai pas mis les gyros, mais j'ai pas retrouvé la touche pour les mettre. Passer les feux. Passer le clignotant. Et les gyros, bah... Passer le klaxon. Ils ont le stop. Donc on s'insère comme on peut. En tout cas, la map est plutôt sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les petits champs, etc. C'est vraiment fun. Les décors sont plutôt pas mal. Il y a un petit peu de relief, mais pas trop non plus. Alors, je sais plus si c'est dans le 15 ou dans le 17. On avait une barre de progression, il me semble, pour les missions. Ça, c'était intéressant. Tu savais à peu près où t'en étais. T'étais pas obligé d'aller check à chaque fois dans l'onglet mission. Bon, là, c'est un petit champ, donc ça va aller vite. Et sur des gros champs, j'avoue que c'était plutôt plaisant. Va écraser le blé du voisin.
Bon, vous savez quoi, ce labour, je vais le finir après. On va se rendre sur la carte, on va se rendre chez nous. Après, ces deux champs, ils sont pas mal. C'est vrai que celui-ci, il est petit. Bon, on va aviser après. On va essayer d'installer, du coup, une première serre. Alors, les moyennes, oh, elles sont pas mal. Ouais, la taille est correcte quand même. Hein. Faut mettre de l'eau. On va en mettre une ici. Tac. Ok. Je vais aller chercher le tracteur. On va déplacer ça et on en mettra une deuxième après. Bon alors, forcément, s'il faut de l'eau pour alimenter la serre, il va falloir aussi qu'on achète une tonne à eau. Pas la même. Allez, je suis de retour à la maison. Je pose la charrue. Je vais aller décaler ceci. Hop. Après, si besoin, on ira vendre notre colza, mais je vous avoue que ça me ferait mal au cœur. Hop, on va descendre. Construction, on va mettre une deuxième serre. On va la mettre là. Après, il faut de l'espace aussi pour pouvoir manœuvrer et récupérer. J'ai pas pensé à ça. J'aurais dû les mettre comme ça en fait. Côte à côte. Ok, on va adoucir le terrain là. On va adoucir un petit peu, pour que ce soit propre. Ok. Bon, alors maintenant, on va acheter. On va l'acheter pour en avoir besoin. Pour le prix, ça va. La petite tonne à eau. On récupère ce qu'il faut au magasin. Il y a un plan d'eau à côté, on va aller voir si on peut mettre de l'eau tranquillement. Je pense que ça peut le faire. Allez. Hop. Ça marche. Donc par je ne sais quel miracle ou par quelle magie, on arrive à mettre l'eau directement dans la tonne. Elle n'a pas changé depuis le 19, c'est exactement la même. C'est pour ça que je leur fais pas trop le tour. Peut-être un petit peu plus de détails. Vraiment, c'est au niveau de cette petite profondeur. Ils ont travaillé tout ça. Ça, c'est plutôt cool. Alors, est-ce qu'à proximité de chez nous, on a un plan d'eau? Là. Ok. Parce que je pense que ça risque de consommer pas mal. J'espère qu'il va réussir à tirer tout ça. Oh là là, c'est dur. Bon, on va aller poser du coup l'eau dans les serres. Et après, on va aller voir au niveau du management, de l'organisation, de la gestion, comment ça s'organise. Alors... Là, j'en ai deux de l'autre côté, la petite et la moyenne. Je vais faire le tour. Je savais que ça allait... Ouf ! C'est pas large. Ça prend autant d'eau. Waouh ! Et c'est que le petit. Vous imaginez les moyens, voire même les gros ? C'est assez énorme. Bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour adoucir ici. De toute façon, je vais me débarrasser de ce bâtiment. On fera du terraforming à un autre moment. Et peut-être même que... On n'a pas de l'eau ici. Oh, je peux pas remplir. Hein. J'ai essayé. Ah, il va falloir aller là-bas. Ok.
De toute façon, vous savez comment je suis, il y a des choses qui vont bouger, bien entendu. Là, c'est le démarrage, on fait avec ce qu'on a. Dès que j'aurai plus d'argent, bien entendu, les serres, elles risquent fortement d'être déplacées. Il y a des bâtiments qui vont bouger, il y a d'autres qui vont s'implanter, il y a peut-être des terrains qui vont être restructurés. Bref, vous savez, j'aime beaucoup jouer avec, avec ça, donc. Y a rien de définitif. Hop, attention, il y a un arbre tout près. Mais au bord. Il veut pas remplir là. Oh, peut-être pas assez dans l'eau. Et donc. Je peux pas remplir ici. Damn. En tout cas, ils sont plutôt cool, les petits champs à proximité. Juste derrière chez nous. Ouais, je vais ajouter une ruche aussi. Bon, on va déjà aller voir. Hop. Du coup. Donc, dans les animaux, ici, on voit nos poules et nos coqs. Enfin, notre coq. Santé 30%, c'était à 20% tout à l'heure quand on a commencé le contrat. Donc, elles reprennent. C'est vrai qu'on avait oublié de mettre de la bouffe. Donc, forcément, c'est compliqué. Mais voilà. Bon. Des œufs, pour le moment, il n'y en a pas. C'est comme ça. Et moi, je voulais voir, du coup, pour nos chaînes de production. Ah, ça y est. On a nos serres. Donc, les deux serres moyennes. Là, il y a de l'eau. Là, il n'y a pas d'eau. Donc, c'est celle qui est tout à gauche. À droite, pardon. Enfin, voilà. On va dire, c'est pour moi. Ici, de l'eau, il y en a. Donc, on peut faire des tomates, des laitues ou des fraises. Écoutez, on va faire des... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va faire. On va regarder les prix. Qu'est-ce qui se vend bien en ce moment? Alors, on est en août. Ça va baisser jusqu'au mois de novembre. Bon. Les fraises, pareil. Et les laitues. Ah oui, ça a la même... Ok. Donc, qu'est-ce qui rapporte le plus? Laitues. Tomates, mais t'en produis plus. Et les fraises, c'est pas énorme, mais t'en produis beaucoup plus. Tomates, 28. Laitues, c'est que 14. Et là, 56, ouais, donc je pense que ça doit jouer, c'est kiff-kiff. Bah écoutez, on va faire des tomates, et dans la petite serre, non, on va faire des laitues ici, et on va faire des tomates dans la petite. Voilà. 7000, 2300 sur, on est à quoi, 20%? Réservoir d'eau. Ah voilà. 3000. Comment ça, ce terrain n'est pas à moi? Si ce terrain est à moi. Vous allez me dire que c'est pour ça que je peux pas enlever ça? Où est-ce qu'on va le mettre, le... Après, on s'en fout, on peut le déplacer plus tard. Allez, hop. Ça évitera des allers-retours inutiles. Ah oui, par contre, ce que j'avais pas... c'est que là, je suis obligé de l'acheter, l'eau. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça pour le moment. Hop, on finit de décharger et du coup j'ai pas changé la production. Allez. Hop, je vais remettre le tracteur là-bas avec la tonne à eau. Devant le réservoir. Hop, ok. Je fais un petit tour à l'intérieur parce que je sais que vous aimez bien. On va ajouter une ruche en plus. Ouais, ça va pas du tout le terrain. Va falloir qu'on nivelle un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut entrer? Yes! Oh, c'est cool! C'est chouette. Du coup, ici, on fait des tomates. Ici, on fait des laitues.
Ici, on va faire des fraises. Simplement. Comme ça, on fera tout. Ou alors, ils vont tout faire. Je ne sais pas du tout. J'ai pas l'impression qu'on ait aucune production active. Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Construction de stockage. Ah, c'est parce que j'ai pas activé. Donc, on a dit, dans la moyenne, on va faire 13. Ici, on va faire laitue. Et là, on va faire des tomates. Voilà, c'est actif. Ça y est, c'est parti. Ouais, déjà, ça a consommé un petit peu. Oh ! Ah oui, c'est direct. Donc là, on fait des tomates. Super cool, les plants. Ah, ils sont beaux. Ils sont beaux. Allez, on laisse tout ça se faire. Et regardez, on a ici pour la projection un petit peu de l'eau pour humidifier et tout ça, arroser, c'est cool. Là. Ah, je me vois bien un grand champ rempli de serres comme ça, les unes à côté des autres. Peut-être pas celui-là, mais là-bas, ça me tente bien. Ici, nos petites laitues, regardez comme elles sont mignonnes. C'est chouette. Et du coup, on peut passer d'une serre à l'autre comme ça. C'est bien. Très très bien. Et là, nous avons du coup nos plants de fraises. Ah, avec les petites fleurs. Ah, c'est chouette. Et du coup, je suppose que comme pour les cultures, on va avoir plusieurs niveaux de pousses. C'est chouette. Ouais, c'est super bien fait. On reconnaît bien les feuilles et les fleurs des plantes fraises, en tout cas. C'est chouette. Eh bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter ici. Ça m'a pris un petit peu de temps de faire cet épisode. Ça va me prendre du temps un petit peu de faire le montage, du coup. Mais voilà. On avance. On a fait nos premiers semis. On a installé nos poules, on a installé des cerfs, on a installé des abeilles. D'ailleurs, hop, on va installer un deuxième lot. Ça coûte cher, mais si ça produit, ça ne me dérange pas d'investir. Alors, où est-ce qu'elles sont, nos petites abeilles? Hop, c'est trop proche. On peut le mettre par là. Et comme ça, ça va profiter. Regardez, hop, de là. Nickel. On a changé le tracteur. On a revu un petit peu nos plans sur, sur notre outillage. Pour le moment, on va plutôt partir sur la location à court terme. Ça, c'est cool. Ah, par contre, il y a ce... Mais c'est pas grave, ça les dérange pas. Ben voilà, super. Est-ce qu'on peut voir que nos champs fertilisés, non, mauvaises herbes, zéro, a besoin de chaud. Fertilisé 100%. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Et là, on voit pas de bonus encore. Peut-être qu'il faudrait le mettre au bord du champ. Bon, en tout cas, regardez. On a déjà nos premiers pots de miel. Ça c'est cool. 11 litres, 76 kg de miel déjà. Une première caisse qui va être bientôt remplie, peut-être encore un étage, et on va voir pop la deuxième. C'est sur palette, donc j'ai bien fait d'acheter hop, ceci, d'investir, de lève-palette. Je pense qu'il va falloir qu'on achète un plateau, petite remorque plateau. On a des remorques plateau ou pas? Est-ce qu'on peut... Voilà! 11 500, wow. Et les voitures, combien ça coûte? 25 000 pour le petit pick-up. Nous, on a ça. Le Mahindra à 17 000. Et là, on pourrait mettre des caisses, je pense. Du coup, laisser la palette et prendre les caisses de miel directement, les boîtes à eux. Pourquoi pas, un petit Mahindra, ça peut se faire. Mais il nous reste 23 000. Je pense que je vais aller faire un peu de mission, je vais passer un petit peu de temps histoire que les cultures poussent. Et puis nous on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire, martelez la petite barre des pouces bleus. Moi, je vous fais plein de bisous, faites une bonne continuation. Ciao, bye bye.